Ça va être encore trop fort. Ok, re. Putain, le son du jeu est vachement fort. Voilà. Régled. Tiens, sur Twitch, comme ça, là. On va agrandir la fenêtre de Potato Man. À peu près comme ça. Voilà, alors move, droite, gauche, jump, haut. C'est tout? C'est toutes les commandes? Ah d'accord, il n'y a même pas de menu genre. Enfin, on joue à partir du menu. Oh, ils se font pas chier. Je suis mort. D'accord, donc on peut pas on peut pas cogner les cactus. Oh, Luc. The truth echoes loud and clear in the silence of the desert. Oh, je me suis fait tuer. Mais ce jeu de pute! Putain, mais c'est un. C'est un Die and Retry! Oh putain, un scorpion! The truth hurts. Turn back before it's too late. Ah, les cactus ils sautent! Putain! Il ignore ce jeu! Insupportable! Ah! Quoi? Putain, mais non, c'est des putes. Oh les bâtards. Putain, mais j'ai un compteur. The truth, it can be found in the darkness of the forest. Wouah! Putain, mais ce jeu il. Oh non, 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 me dis pas que ça me tue tout ça. Bird Brain, Carnos for the truth. Oh, me dis pas que ça me tue ces sales œufs là. Oh! Putain, ça va être la merde! Non! Il est trop dur ce jeu! Mais ouais, 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 stop, stop, stop! Arrête de chier des. Putain, arrête de chier des pigeons! Putain, mais comment je passe ça? Ok. Oh non, mais arrêtez. Ah, mais c'est ça. Ah, ah, ah.
putain. Arrêtez, arrêtez. Ok, ok. 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 Fuite, 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 fuite. Oh mais non, mais... Et pourquoi les bananes elles s'envolent? Ah! Trop fils banana. Ah! Je dois me retaper toute la forêt. Ok, donc j'ai un nombre de vies limité pour arriver au truc. Oh, les bâtards. Oh, je te prends, putain. Moi, je fais quoi dans ces situations-là? Bah, tu meurs. T'as vu, c'est trop dangereux. Faut prendre les patterns de tous les fils de pute de trucs. Mais ça va tellement brain les tellement brain les bananes qui s'envolent. Putain, mais si l'œuf il me tombe dessus, il me tue. Mais si je lui saute dessus, je le casse, ok. Mais les œufs géants là qui tombaient du ciel. Arrêtez! Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Putain! Je peux pas dodge autant d'œufs, putain! Salut Logame and Roblox. Je sais pas si j'ai bien prononcé, mais on va dire oui. Que j'ai juste besoin d'une explication. Comment tu te perds sur un stream comme ça à 3h40 du mat? Tu parles à qui là? Je sais pas, y a un mec qui est. Je sais même pas si j'ai des commandes de bot. Mais le stream est pas up depuis longtemps. Je sais pas, y a un mec qui se ramène là à 4h. Chien, un point, putain. Ah! Ok, je suis à la partie avec les singes là. Je suis déjà abonné. Ah, peut-être. Oh, mais il y a sûrement des meilleurs streams auxquels s'abonner. Ah! Ok, les pigeons, les pigeons, les pigeons. Potato Man? Je viens de croiser un deuxième Potato Man. What you see can be found in the city. Avant depuis longtemps. D'accord. Oh non! Oh mais je vais me perdre. Oh non, seigneur. Putain, il y a 200 potatoman, genre tous la même couleur que moi, et quand je shoot, il y en a la moitié qui saute en même temps que moi. Et du coup, je sais plus lequel je suis à force. Putain, mais il y a des voitures qui passent.
Faut que je t'envoie un clip de ça. Ah non mais attends, je suis mort là. Ah oui putain, mais les voitures elles ont pas... Elles chill zéro. Ok. Ah. Quel bordel, putain! 200 potatomans qui meurent là! I have heard about truth. Can I use it to attract ladies? Ah! T'as trouvé quoi comme merde? Mais je sais pas! Attends, c'est dangereux! Mais non, mais y a un potatoman qui est là en haut d'une truc et qui me dit genre. What about money? Can I trouve ce mec me riche? Et là, y'a un camion qui est arrivé en mode gros singe quoi! Putain! J'esquive des voitures là et. Pourquoi des requins? Putain, je suis mort! Il est ultra dur ce jeu, putain! Attends, je t'envoie l'autre clip là. SVP, je vais l'appeler. Qu'un suicide. Alors. Putain de requin, mais c'est chiant! Je vais pas passer les requins, je devrais en retaper toute la ville. Ton t'as qu'à lui stream Cendrillon, c'est vrai. I've discovered the truth. Il s'est suicidé. Bah oui, il s'est suicidé. Mais pourquoi les. Pourquoi les requins ils vont dans l'autre sens maintenant? Putain! Oh, c'est ignoble. Ok. Pourquoi une soucoupe volante? Pourquoi une soucoupe volante? I've been trying to tell you. Il m'a téléporté sur la lune. Trouve quest stupid rolling best. Quoi? Il y a des cailloux qui essayent de m'écraser et qui me disent que rouler c'est mieux que la trousse. Ah! Ok, ces cailloux peuvent rien me faire, je suis invincible. Je pourrais jamais passer, putain. Ah! Oui, j'ai vu tes messages. Compliqué d'avoir des examens et tout. Ah! Putain, je passerai pas. Putain, je passerai jamais ça, hein, je vais rester bloqué ici. Toute ma vie. Vite, connard. Potato pancake. Putain. pancake. Ok, attends. Le caillou rebondit. Donc ici c'est safe. Ensuite ici c'est safe. Ici c'est safe. Oh non, non, non. Connerie de connard de jeu. Mais je passerai jamais ça. Au secours. Des chauves-souris, ok, classique. Ok. Nice. Oh, je l'aime pas ce caillou. Rune Distroof. Laisse-moi. Ce caillou de merde qui met des coups de stress là. Mais putain, mais il met des coups de stress pour rien. Cette
seconde de retard, extraordinaire. Et... Ok. Oh merde. Putain. Combien il me reste de vie? 3 vies, mais je passerai pas sans 3 vies. Ok, ok. Run for it. Ah, ah. Putain! Ah, j'avais géré de ouf, j'arriverais plus à faire ça. Putain. Non. Oh non, je dois me retaper toute la montagne. Je dois me retaper toute la montagne. La question est pas comment je suis là, mais comment tu as trouvé ce jeu? C'est une bonne question parce que même moi je me rappelle plus. Putain. Vite, monte, monte, monte. Putain, on va là. Ensuite, on a dit qu'on allait là. On suit les cailloux, c'est safe. On se fout là, c'est safe. On se fout là, c'est safe. Ok. Je commence à piger le jeu. On se cache. C'est chauve-souris, c'est safe. Les chauves-souris, elles sont chill. C'est le caillou qui met des coups de stress. On s'en fout. Ah là, c'est du speedrun. Hein. Et maintenant, j'ai pas mal de vie pour passer ça. Je le passerai jamais. Je passerai jamais ça. Ok, 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 ok. Juste courir tout droit, ça marche là pour de vrai? Quelle bande de bâtards! Non! Ok, donc juste courir tout droit, ça marche. Juste courir tout droit, ça marche. Ferme les yeux. Je ferme les yeux, je ferme les yeux, je ferme les yeux. C'est fini. Putain, ok, donc la dernière passe pas. Putain. Il te force à faire des coups de stress là où il y a 200 cailloux et faut même pas faire un jump pour esquiver un truc quoi. Quelle bande de bâtards. Et là le dernier, on l'esquive. Voilà. There is no truth. Just kidding. The truth is the potato god. The truth is the ever present on infinite unfolding all things will be the illusion. Writing with the blablabla. Blip blanc blablabla. Je prends ma manette et je vais retourner jouer à Cendrillon. Parce que oui, on joue avec une manette. D'accord. Et c'est débile, j'ai pas compris pourquoi, mais ses mains sont attachées dans le dos. Et tu peux sélectionner différents types d'attachements en mode bondage et bizarre, et puis il y en a un, c'est juste un pilori. Bah du coup j'ai mis pilori. Oh là là, okay. Mais je suis dans le futur maintenant. Oh non, ça va, oh, ça va fuck mon, oh, ça va fuck mon cerveau ça. Rocket. Ça c'est des effets de déformation comme seule la Super Nintendo sait les faire. Tu sais ce que c'est un pilori ou pas? Oui. Et voilà, bien l'air content qu'on a la tête. Il y a quoi ici? Bon, il y a des pics. Putain. Il va falloir que j'apprenne ce niveau là. Ça, ça tue ou pas? Ça tue pas. Non, tu frère. On swag. Oh, mais les bâtards! Putain! Quoi? Oh, faut récupérer des trucs, ok. Faut récupérer des trucs. Merde, c'est chier. S'il faut tout récupérer à chaque fois ou pas? On voit. What? Ok, non, c'est bon, ça reste récupéré. Merde, je peux pas tomber là? Télécharge, on a tué, vilain. Vilain, c'est... Pour de vrai, ça? Ah ouais, je te promets, il est... Non, mais... Ok, c'est des faux pics. Putain, mais... Ce jeu de con qui met des coups de stress, ça pour rien. Quoi, quoi, quoi? Arrête d'inventer des...
mécanique de gameplay du cul là. Vous voyez juste justement t'as un bloc-notes avec des cheat codes qui vont mettre un mode scale dans la console de commande, mais les trucs ils marchent quoi. Et putain, je plains les graphistes, le travail qu'ils ont dû faire sur le personnage, ouais c'est un travail de ouf. Potato Man quand même. Mais c'est non dirigeable. Un dirigeable, t'as un gros ballon avec de la yoga. Mais je sais. Pourquoi tu parles de dirigeable, t'es un gros con. Ah. Ok. Ensuite. Girafe. Ça me tue à 100%. Bah oui. Bah sinon c'est pas drôle. C'est pour des bâtards. Je les déteste. Putain mais du coup attends. Je suis sûr il faut que je aille jusque là-bas et que là je glide sur le mur. Mais putain, mais pourquoi il y a une mécanique de gliding sur le mur à ce moment-là, quoi? Putain, ça a pas de sens. Et sur ce mur-là, je peux pas glider. Putain, mais... Oh putain, quel fils de... Les cailloux. On a dit que les cailloux, ça s'esquivait sans bouger. Les œufs. Oh, s'il te plaît, dis-moi que ça m'a pas baisé ma sauvegarde sans jouer dans le sol. Quoi? Ah! Ok, putain, mais c'est des bâtards. Je les déteste. Nani? Oh! Ok. Est-ce que j'ai le droit de remonter de la même façon? Bah oui. Le jeu il est beau en plus hein. Qui, Cendrillon? Ouais. Quand tu lui envoies un petit snap. Oh non, s'il faut que je remonte par là, c'est mort. Ah ah. Merde, pas ça. Mais attends, il est où le dernier caillou là? Il manque un caillou. Les reliques de Saint-Roland. Non, ça c'est ma tête, c'est pas le jeu. Pourquoi la file est là? Ok, dernière vie. Non. Culé de connard de jeu. Putain, mais il est dur ce jeu. Alors attends. Ils arrêtent pas de faire que... Je sais même pas comment ils ont codé le truc pour que certaines zones, genre tu puisses monter à l'infini, etc. Ah mais toi tu joues que à des jeux à la con 3D mon cul. Bah non, tu joues, téléchargé. C'est un beat'em all du coup. Mmh. Ouais, c'est rigolo. Du coup, c'est cool. En plus, il est bien. Ok, ça, on a dit c'est des cailloux, ils ont peur de nous. Donc, ça, on est bon. Ensuite, on glide jusqu'en l'air. On retombe là-dedans. On dodge les conneries. Tac. On remonte. Conneries. De toute façon, on a chopé le truc. Oh, mais non, faut redescendre pour pouvoir remonter. L'autre il est à droite, mais bon, je vais essayer de choper les autres avant. Ok, donc ça c'est bon. Lui, on a dit qu'on l'a pris. Ah putain, il est dur lui, c'est vrai. Ok, je commence à gérer le air control. Ça c'est bon. Un air KO. Oh non. Ah les bâtards, il y a eu un changement de gravité. Oh bon, tant pis. On y repassera après. Là on a dit on saute juste comme ça, tac, 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 les plateformes elles apparaissent. On va essayer de choper celui à droite. Oh mais merde, j'arriverai pas. Hein. Par contre j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on est attaché. Ok.
Ok, très bien. J'aurais dû m'en douter. Et il faut que je refasse la descente. On esquive les trucs. Si je remonte par là. Si je remonte par l'autre côté. Et le dernier, il est en haut au milieu. Ah non, putain, il reste encore lui aussi. Ah! En fait, à part la physique des seins, puis quelques grognasses sur son titre, le jeu il est pas trop rare. Mais putain, je suis retombé! C'est même pas par là qu'il faut que j'aille. Oh, je suis trop con. Ouais, quand même, pièce qui sert à rien. Faut que je descende ici. Là, on dit fuck. La police. Et il me reste plus qu'un triangle. Oh, il y a un petit enfant. Il fait mal, le petit enfant, putain de merde. Enchaîne. Oh putain, mais il est tout là-haut. C'est des bâtards. Donc là, si j'attends un peu, le truc, il va juste tirer en l'air. Ah, il a un panneau de tir. C'est ça, là, il tire juste en l'air. Tac, ça me permet de monter. Est-ce qu'eux aussi vont se mettre à tirer que en l'air? Non, pas du tout. Je suis fuck là. Ok. Ah. Putain, mais là j'ai droit à un multi-jump. Les mécaniques de gameplay qui changent 35 fois. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un succès. Potato Man, il a l'air triste. Bah, t'as eu un succès, ça se comprend. Ah, quand je suis sur Steam, c'est que pour des jeux solo, donc je vois pas trop l'intérêt. Il demande quoi, monsieur? Au cas où, il me file son pseudo Steam, mais. Quand je suis sur Steam, c'est des jeux. Putain, mais Potato Man, il s'allonge par terre. Oh! Potato Man, c'est devenu une patate. Il s'est allongé par terre et il a perdu ses bras et ses jambes. Et c'est juste une patate. Terraria, ça fait longtemps que j'ai pas joué. CSGO, j'ai plus envie d'y jouer. Unturned, je sais pas ce que c'est. Unturned, c'est pas le jeu un peu style Minecraft bizarre sur Ville Zombie? Ah si, peut-être. Je sais plus. Attends, le jeu est pas fini là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est possible. Ça fait longtemps du coup, ouais. Longtemps que j'ai pas fait du Terraria. C'est un abonné qui date de quand on faisait du Terraria. Ah ouais, putain, c'est vieux. Ouais, ça remonte, hein. Ah, ça coûte cher la linge, putain. Ouais, je sais pas trop ce qui se passe. On est dans les étoiles, il y a des trucs qui bougent. Que Potato Man a finalement trouvé The Truth. Topless, topless. Oh. J'aime bien la lingerie topless. C'est vrai que c'est un peu Star Wars. Enfin. J'espère que personne est épileptique, hein. Vous avez un nouvel objet dans votre inventaire. Eh bien, merci. Est-ce que j'ai le droit de jouer ou... Non, là, faut juste attendre. J'essaye d'appuyer les touches, il se passe rien.
J'étais en train de me dire, merde, ça se trouve, faut que je joue. Ah mais c'est le début du jeu. Ah c'est le début du jeu, mais plutôt que d'avoir des bras, je suis une patate. Oh quel bordel. Oh mais c'est trop dur du coup, la physique c'est une physique de patate quoi. Oh, y a un bikini armor. Ah mais les... Il me tue plus les cactus? Ah bah c'est bien. Oh c'est ignoble à jouer comme ça. Oh le mec qui m'a tué. Il m'a ramassé. Quoi? Lui il me tue au début du jeu. Il voulait pas que je trouve la vérité. Quoi? Mais il me posait. Il m'a amené dans sa ferme, ce fils de pute. Il me prend pour une vraie patate là. Oh putain, cette débile croquette du net qu'on peut acheter, c'est juste une vieille barre noire de censure pour les yeux. Trop bien. Faudrait que tu passes sur du jeu là, marrant. Guerrilla Escape. Attends, faut pas que je me plante quand même. J'ai pas envie de me planter là. Je peux pas vivre en tant que patate. Ah, si tu te plantes. Non, je refuse. Fais-le. Il y a une vache, elle fait ma taille. On va suivre la vache. La vache a l'air de n'avoir rien à foutre. Planté, Link Eternseed. Qui les ai Putain, j'ai des plantés. viewers qui ont des vraies références. Hein. Oh la vache, elle m'a fait meuh. Oh, je suis en train de mourir. Babek. Oh non, je peux même plus bouger, je suis devenu une vraie patate. Triste. Ça faut ta flantier tout ça. Donc là Potatoman est mort. Peut-être qu'il va pousser pour être plein de bébés Potatoman. Belgique. Quel pays de con. Bravo. Ça Quoi? insulte les viewers comme ça là. Donc quoi, c'est vrai? Mais j'ai pas envie de dire un pays de con. J'ai fini le jeu là, c'est la vraie fin. Mais bon, moi, ils avaient un œil. Il a dit quel pays de con. Que les histoires de des La gens intelligents. Belgique, quel pays de con. Non mais... On va monter un peu ton son sur TeamSpeak, attends. Bon, ils avaient un Voilà. pot-de-pique en Belgique, et ils nous avaient raconté quelques petites anecdotes à la con, du genre t'avais un groupe de mecs de 20 ans qui avait claqué dans un bâtiment parce qu'ils se shootaient à l'air débriqué, enfin au gaz débriqué, puis au bout d'un moment t'en as un qui a voulu... La calotte de tes morts, le sang de tes morts. Et ton avis, ça fait quoi quand t'allumes une cigarette dans un endroit qui est rempli de gaz débriqué? Ah bah ça choue le cœur d'une iglo. C'est ça. Bon bah fin du jeu, c'était une bonne expérience. Je suis désolé, mais Je peux plus rien faire, échappe, ça fait rien. Bon bah je peux juste quitter le jeu. Bonne expérience vidéoludique. quête niveau 4. Bah, du coup, va télécharger Cendrillon. Je suis pas sûr que j'ai le droit de streamer ça.
Du coup, on va peut-être arrêter le stream là et balancer la VOD dégueulasse sur YouTube, qui durera 35 minutes. Un petit jeu de 30 minutes, sympathique. Un croquette. Le jeu, je pense que tu peux le stream, limite il est soft, hein. Ouais, je sais pas. Il pique que dalle, hein. Ouais, non, je sais pas. Attends. Tac, tac, mais il faut que je quitte le stream. Ou alors, je relance un autre jeu. Peut-être j'ai d'autres jeux de ce type. Peut-être j'ai d'autres jeux de ce type. Alors attends, je relance le stream avec un autre jeu.